I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. Till I wear the crown. En direct de mon petit déjeuner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À 3 semaines de ma première échéance, du coup, je vous emmène un petit peu avec moi pour faire le point. Donc, il y a eu mon check-up, comme vous avez pu le voir. Donc, le poids a descendu. Je fais un check-up tous les 2 jours. Il est descendu de 600 grammes par rapport à mercredi. J'étais à 69,1. J'ai bloqué un petit peu à ce niveau-là. Là, ce matin, je suis à 68,5. On a changé la stratégie. En termes de diète, je vous en parlerai tout à l'heure. Pour le moment, je vais manger. J'ai faim et c'est journée un peu plus haute en glucides. Bon, là, je suis à la gare. J'ai une toute petite demi-heure de transport en commun. Du coup, je mange ma crème de riz à la gare. Comme ça, le temps de la digérer, le temps d'aller m'échauffer, j'ai bien 15-20 minutes d'échauffement. Donc ça me laisse le temps de la digérer. Et voilà, celle-ci c'est encore goût céréales cinnamon. Je fais une fixette sur celle-ci, elle est trop bonne. Du coup je vais manger et je me dirige tranquillement vers la salle. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Je viens d'arriver à la salle, donc là je vais m'échauffer. Je prends vraiment vraiment le temps de sur cette partie là, ça me prend bien 15-20 minutes parce que je veux vraiment pas me blesser à quelques semaines de la saison. En règle générale, je prends le temps d'eux, mais là je suis encore plus vigilante, donc mobilité, étirement bien sûr, dynamique, pas statique. Prendre le temps de bien chauffer la machine, c'est important. Et puis après, c'est parti, je vous emmène avec moi pour mon entraînement glutes
aujourd'hui, donc un différent de ce que j'ai pu vous montrer sur ma toute première vidéo. Et voilà, le volume est différent, on reste sur des séries basiques. Voilà, l'objectif est de garder encore une fois la densité sans aller trop puiser dans la fatigue ou qui plus est, aller détruire ce qu'on a construit. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. Donc, premier exercice, je commence toujours par le hip thrust, ce qui demande beaucoup d'énergie. C'est un exercice que j'affectionne, donc vous avez déjà vu dans ma vidéo précédente, la toute première que j'ai partie. Un gros travail avec le hip thrust. Contrairement à la première vidéo où je faisais des rest pause où le volume était beaucoup plus important, là on a quand même réduit le volume en gardant les mêmes exercices. Et voilà, simple, efficace, on va au basique et ça fonctionne très bien. Donc là je vais faire mes séries de choc et puis après on attaque les séries petites. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to. Du coup là je pars pas du tout sur le même principe que je peux faire début de semaine où je fais un top 7. Donc je fais ma charge la plus lourde, après je décharge et je fais deux bas top 7. Donc j'ai fait une montée de gamme, c'est-à-dire que je vais faire entre 15 reps la première série. Après je diminue mon nombre de reps mais j'augmente ma charge, etc. Donc voilà, jusqu'à arriver à un effectif de 10-12 reps. Put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Donc là, à 3 semaines de ma première compète, Pittsburgh, j'ai eu une petite phase où j'avais un moins 1 parce que j'avais mal au dos. Il y a quoi, il y a 3 semaines de ça maintenant. Du coup, mes charges avaient vachement baissé. Mais voilà, on a mis les choses en place. On a optimisé la récup. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, comment j'agence ma semaine. Des petites choses ont changé par rapport à ces derniers mois. Et puis les charges, bah, elles réaugmentent et c'est cool. C'est cool. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et le fait de manger aussi, ça fait du bien. Manger. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dernière série, même tempo, on contrôle, on pousse bien avec vraiment son fessier, on vient pas commencer avec les lombaires, restez bien gainé et surtout beaucoup le font mal avec presque. Déjà je me fais à la guider parce que je pense que c'est moins dangereux que de charger une barre
le temps de s'installer à l'île, etc. Pour moi, c'est une perte d'énergie et vous pouvez vous blesser. Et c'est pour ça que je la fais toujours la guider. Mais le souci, et c'est que les gens ont tendance à vouloir ramener la barre vers eux. Pour moi, la barre, vous devez la pousser comme ceci. Pour vraiment avoir cet axe-là pour travailler. C'est ça que bien, quand vous êtes en haut du mouvement, vous venez tendre votre barre à l'île. Vous la ramenez vers votre pubis. Plus efficace. Comme par exemple là-bas, la fille. Elle veut trop la ramener en fait vers elle comme ça. Pour moi, le thrust doit aller vers là-bas. Pour pas justement aller utiliser les lombaires. En tout cas, avec mon expérience, j'ai rectifié ça et pour que le poids ne soit pas là, mais ici. Enfin bref, les petits tips. Et puis, ouais, je mets petite nouveauté aussi. Je mets cette cale sous mes pieds parce que le fait d'avoir l'appui sur mes talons et qui soulage mes doigts de pied, bah, ça me permet vraiment de me concentrer sur les ischios et les fessiers. Parce que sinon, j'avais tendance à utiliser les quads. Parce qu'il y a quand même flexion de genoux. C'est ça, hein. Il y a quand même flexion de genoux. Donc, ouais, la barre, ne la ramenez pas là-bas, mais là-bas. Ça vous tendre, utilisez vos bras comme levier. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Clowns, who were up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me down. Direction kickback pulley. Pour le upper boot. Bon kickback les filles. Beaucoup à redire sur cette exécution. Donc, vous voyez, ce que je conseille toujours à mes élèves, à mes clientes, c'est déjà de faire le kick en toute conscience, c'est-à-dire venez simplement contracter votre fessier. Votre jambe sert juste de levier. C'est pas la jambe qui va faire que vous contractez le fessier, c'est le fessier qui fait lever la jambe, déjà dans un premier temps. Ensuite, malheureusement, ce que je vois beaucoup aussi, c'est qu'elles veulent, en pensant monter plus haut que ce qu'il en est naturellement, elles vont davantage recruter les fessiers. Ce qui arrive, vous allez engager vos lombaires. Donc ça sert à rien pour moi d'aller au-delà, en tout cas c'est pour ma propre expérience. Si je vais au-delà de mon mouvement naturel, au bout de deux séries, j'ai les lombaires en feu, j'arrête mon entraînement, ça sert plus à rien. Donc vraiment, restez ici, ici. Et vraiment contracter fessier, fessier. Ça sert à rien que j'aille là, sinon je vais tomber. Ok? Donc tac, tac. Ayez de la conscience que c'est bien votre fessier qui travaille et pas la jambe qui tire. Voilà. Faites pas des mouvements de... de vague. Ok. Même principe que pour le hip thrust, je fais des montées de gamme. Donc avec 15 reps, je diminue mes répétitions et j'augmente ma charge. Jusqu'à ce que j'arrive pareil, 8, 10, 12. Et on est bon. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats.
baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Bref, à titre informatif, commencez toujours par votre jambe la plus faible. C'est elle qui va vous donner un indicateur de votre force. C'est-à-dire si j'avais réussi à faire 12 reps à ce poids-là avec ma jambe la plus faible, il faut que j'en fasse autant avec ma jambe la plus forte. Ça va vraiment être un indicateur. Parce que si j'estime que je commence par ma jambe forte, ok, je peux faire 15, 16, 17, 18 reps. Sauf que l'autre derrière, elle va pas suivre. Donc, voilà. À titre informatif, c'est toujours plus intelligent de commencer comme ça. Après, les kickbacks, il y a différentes formes. Hein. Il y a le poussé comme ça, qui va plus cibler le bas fessier pour moi. Il y a un poussé. Il y a le kickback comme je suis en train de faire. Vous l'avez aussi en diagonale avec l'attache ici. Pareil, c'est un angle différent pour travailler le moyen et le petit fessier. Ça accentue plus l'abduction. Et pareil, ok, ça c'est un exercice qui cible une finition. Là je suis à ma fin de semaine, j'ai eu mes gros entraînements fessiers plus accès polyarticulaire, donc avec hip thrust, frog, le bel squat, voilà, qui m'ont travaillé vraiment le fessier dans son ensemble. Là c'est fin de semaine, je reste sur un mouvement polyarticulaire, le hip thrust, parce qu'il est efficace. Et là je fais un petit peu de finition fessier dans cette fin de semaine. Vraiment une stratégie qui a été mise en place par rapport à moi. Take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Vice, so insane, jealous. On est déjà observé comme un extraterrestre. C'est ceux qui croient qu'ils font. Tout va bien. C'est les muscles et les veines. Tout est ok. C'est normal jusqu'ici. Après. J'ai adducteur. Adducteur. On met l'accent sur les adducteurs parce que c'est vrai que je ne les travaillais pas. Et pour autant, ils sont devenus faibles et je pense que c'est pour ça aussi que je me suis blessée, mine de rien. Donc, qui dit une faiblesse quelque part, forcément, dès que vous allez le solliciter ou compenser avec celui-ci, et comme il n'a pas l'habitude d'eux, ben, c'est ce qui est arrivé malheureusement. Donc, j'avais pris ça pour acquis parce que j'étais cavalière, donc j'ai toujours eu des adducteurs forts, mais tout ce travail, comme le haut du corps se travaille pour avoir de la force au bas du corps, etc., faut rien négliger encore une fois. Parce que du coup, ça vous provoque des faiblesses, vous compensez autre part, et qui dit compensation dit forcément blessure. On met l'accent sur l'adducteur, également pour ma pose de dos, du coup, ça va faire une cuisse plus épaisse. Les ischio, les quadriceps et l'adducteur qui vient ressortir. Donc, pour une wellness, en tout cas, c'est très important à la pose de dos pour avoir une cuisse épaisse. Donc, voilà. Donc dernière série, après on va à 2-3. Dernière série et après on passe aux adducteurs. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she...
Et on met l'accent aussi sur les adducteurs. Parce que du coup, je fais un travail en parallèle avec Lucie, qui a estimé, diagnostiqué, que j'avais une faiblesse au niveau de l'adducteur droit. C'est pour ça que j'avais souvent des tensions, parce que mon corps cherchait à compenser. Et donc, comme il était plus faible, il était plus fragile. Et c'est ce qui me provoquait en fait plein de déséquilibres au niveau de mon corps. Donc là, ça va faire plus quasiment 2 mois que quasi chaque semaine également, je vois Lucie et je vois l'impact que ça a sur mes entraînements en termes déjà de récupération. Mon corps est en train de tout doucement se rééquilibrer. C'est important par rapport à la symétrie. On est dans le bodybuilding, donc l'objectif c'est d'être autant musclé à gauche qu'à droite. Enfin, voilà, c'est pour ça que pendant mes adducteurs, je touche mon côté droit, parce que comme il est plus faible, on vient vraiment le renforcer. Et ouais, je vois vraiment la différence, le travail qu'on a fait avec Lucie. Ma mobilité n'a plus rien à voir, vraiment. Donc je suis bien bien contente. Et du coup, Alex a mis les entraînements en adéquation par rapport à ça. Donc j'ai les adducteurs 2 fois dans la semaine. Bien sûr, on les sollicite autre part, mais voilà. On les isole comme ça. Donc un tempo lent, phase excentrique, un pic de contraction une fois qu'on est en haut du mouvement. Et pareil, je fais à peu près 15 reps, puis je diminue mes répétitions, j'augmente un peu ma charge jusqu'à arriver à 10 reps à peu près. Ok, donc une dernière série après. Donc comme vous avez pu le remarquer, le volume a diminué. Habituellement on faisait 4 séries. Là je fais 3 séries de chaque. Sur les prochains exercices, j'aurai uniquement que 2 séries. Je finis par les mollets. Un petit peu d'escalier parce qu'on a mis l'escalier en place en fait. Parce qu'il me reste un peu à décrasser ici. Normal chez les filles, hein, on stocke au niveau des fesses. C'est la dernière zone qui s'en va et pourtant on aimerait que ce soit la première. Malheureusement, donc un petit peu d'escalier, vraiment à vitesse modérée. Il n'y a pas de cardio ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'appuie sur mon talon pour venir en fait tout simplement faire circuler davantage le sang pour que ça décrasse. Troisième entraînement de la semaine. Le poids est encore descendu, donc ouais, comme je vous ai dit ce matin, 600 grammes. Là aujourd'hui, je mange un petit peu de carbs. J'ai 3 jours d'entraînement jambes avec 3 diètes différentes pour chacun de ces entraînements-là. Et le reste, c'est vraiment low, 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 low day où j'ai à peine 40 grammes de carbs dans la journée. Donc bon, c'est le jeu. Deux séries avec un contrôle sur la phase excentrique de 2-3 secondes et puis that's it. Donc maintenant que le fessier est bien préactivé, on a travaillé l'ensemble, le fessier dans sa généralité, le haut du fessier, on a fait les adducteurs, là on vient finir l'étirement, après on va travailler la partie ischio. Comme ça on a travaillé l'ensemble de la chaîne postérieure. J'ai déjà fait 2 fois les quads, dont un gros focus mercredi. I see her rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh, baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, right? Direction le leg curl couché. Je me fie trop à mes charges quand je le mets début de séance, tu sais. Alors que quand j'arrive fin de séance, ça veut plus. Voilà, ça c'est tout quand même. Dernier petit exercice de deux séries. Donc on veut axer toujours adducteur. Donc on va venir sur un squat sumo, les écartés, les pieds alignés au genou, toujours. Et là, il ne faut pas être comme ça ou trop comme ça et de partir les genoux à l'intérieur, vous allez vous faire mal. Vraiment, ça dépend de chacun, la mobilité de chacun. L'objectif est de descendre à la verticale pour venir taper non seulement dans les fessiers et pour bien remonter aussi avec les adducteurs. Ok ? Au plus vous allez faire des mouvements à la verticale, au plus ce sera efficace. Là, je cherche pas un étirement fessier. Je pourrais partir comme ceci, comme au RDL, par exemple. Là, je veux vraiment venir utiliser les adducteurs. Naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. So insane, jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Allez, c'est parti. Donc pour le temps de repos, c'est approximatif. Quand on vous donne entre 60 et 90 secondes de temps de repos, au bout de 60 secondes, si t'as récupéré ton rythme cardiaque, tu peux y aller. Attends pas 1 minute 30 pour dire je me tourne les pouces, etc. Non, une fois que tu sens ton rythme cardiaque est redescendu, ça veut dire que tu es prêt pour ta prochaine série. Donc c'est vraiment une fourchette. Et si des fois il te faut 2 minutes pour récupérer, va pas faire ta série alors que tu es en pleine tachycardie. Tu vas perdre de la force et ce sera moins efficace. Bon. Pensez à serrer les fesses tout le long. Et le gainage aussi. Important.
dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bête, c'est pas fini. Comment on dit? Never skip calves. Calves. Sorry. Faire les mollets. Parce que B. Je les ai trop souvent négligés, les pauvres petits. Non, en vrai, c'était par flemme et parce que je détestais les faire. Mais aujourd'hui, je regrette. Parce qu'il y a un gros retard. Je prends goût à les faire. Et puis honnêtement, ce soit-il, c'est joli des gros mollets. Petit poc, petite dédicace à ma Vivi, Victoire Fit. On fait des fixettes sur les gens dans la rue qui ont des mollets et qui font pas de sport. On se dit putain, c'est pas possible cette génétique. En vrai, oui, de base, j'en ai pas du tout. Ne pas les travailler, c'est pas une solution non plus. Donc on va cravacher hein. Ma foi, ça viendra comme le reste. Donc là, je dois faire les mollets en 4 séries. Donc je les effectue sur la presse parce que debout ça me fait quelques douleurs au niveau du dos. Donc on va éviter, comme je disais, les blessures inutiles. Donc je les fais tout simplement à la presse horizontale. Les autres fois dans la semaine, je les fais assis. Donc voilà, 4 séries avec un tempo 2 secondes phase excentrique, 2 secondes en bas, 2 secondes de phase concentrique et 2 secondes de pic de contraction en haut du mouvement. Voilà. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep. Bon là, je vais aller faire 10 minutes d'escalier. C'est ce qu'on a mis en place, comme je vous explique, pour finir de décrasser le bas fessier. Donc post-séance, que ce soit jambes ou haut du corps, je fais un petit peu d'escalier à vitesse modérée. Dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. D'avoir un bon trio. Parce que si je m'écoute, je voulais en faire plus. On veut toujours en faire plus en pensant que c'est fort. Enfin, c'est en pensant que c'est bien. Sauf que le plus dans l'entraînement, c'est pas forcément le juste, le bon. Et surtout dans ma catégorie wellness, voilà, on veut que je garde quand même des formes. Donc c'est le cas. Ça va plutôt pas mal. Donc là, on se retrouve avec ma petite crème de riz.
toujours et encore. Avant et après séance. Aujourd'hui c'est 80 grammes. J'ai hâte d'être lundi parce que j'en ai 100 là. Mon Dieu, c'est lui. Non, franchement, c'est cool. C'est cool, on va commencer petit à petit de toute façon après à re-remplir la machine une fois qu'on aura la condition. Donc voilà, il reste 3 semaines pour tirer. J'aime de plus en plus ce que je vois dans le miroir. Donc c'est cool. Ce qui est bien, c'est que je dois tout faire à pied. Donc ça fait les pas. Bon, petit retour au calme, c'est l'heure du repas numéro 4, du riz, du poulet et des haricots. Jour de jambes, j'ai de la chance et j'ai encore du riz. Donc voilà, on a changé certaines quantités en fonction des entraînements, comme j'expliquais. Comme j'ai besoin de plus d'énergie au jour des jambes, donc forcément j'ai des glucides pour pas perdre du volume comme je l'expliquais. Et puis on a mis en place une stratégie où je mange beaucoup le lundi, un peu largement moins le mercredi, avec deux repas en moins où j'ai pas de glucides, et même principe pour vendredi avec légèrement plus de glucides autour de l'entraînement. Mais voilà, c'est mon dernier repas avec les glucides. Donc il me reste 3 semaines pour tirer. C'est vrai que le temps joue un peu contre moi, pas avec moi pour le coup, mais j'avais pas envisagé cette compétition. C'est vrai qu'on a dû accélérer certaines choses, donc on sera pile poil prêt dans 3 semaines pas avant, ça c'est sûr. Mais je sais que au plus la saison va s'avancer, au mieux la condition sera là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.